Depuis 25 ans, les banques alimentaires organisent une grande collecte nationale de denrées alimentaires le dernier week-end de novembre. 100 000 bénévoles, 9 000 points de collecte et 2 jours pour récolter le plus de denrées possible. Cette année, elle s'est déroulée les 25 et 26 novembre dans toute la France et notamment à Romba. Mobilisés dans les différents magasins, les bénévoles ont informé le public dès leur entrée et ont fait appel à leur générosité pour collecter le plus de produits alimentaires possible. Sucre, huile, café, céréales, boîtes de conserve, pâtes, riz et bien d'autres encore, de quoi apporter un peu de réconfort aux plus démunis. Car il faut savoir que la mission première de la Banque alimentaire est d'accompagner les personnes en situation de précarité pour qu'elles retrouvent leur place dans la société et l'aide alimentaire est un des leviers principaux pour y parvenir. Vous l'aurez donc compris, vos dons étaient d'une grande importance, tant pour les personnes défavorisées que pour la Banque alimentaire qui se bat au quotidien pour défendre ses principes, le partage, le bénévolat, les dons, la gratuité, la lutte contre le gaspillage et le mécénat.